tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série et je suis assez fière de vous la présenter. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, celle-ci s'appelle Raconte-moi un manga. Donc le principe est simple, vous faire découvrir un nouveau manga. Ça faisait un petit moment que j'attendais de vous présenter du nouveau contenu. Et puisque Sidic Bale a été particulièrement bien reçu, j'ai décidé de continuer sur cette lancée. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que j'arrête The Animation, on est bien d'accord, hein. Mais j'ai beaucoup moins de temps pour regarder des animés en ce moment, donc j'ai décidé de varier un peu plus les vidéos que j'allais vous proposer. Maintenant que l'explication est finie, passons tout de suite à la présentation du manga. Donc j'ai choisi un manga qui me tenait tout particulièrement à cœur, Echoes de Kei Sanbe. Donc pour ceux qui s'en souviennent, j'avais présenté Erased, qui est du même créateur. Donc forcément c'était sur The Animation, donc l'animé. Si vous voulez d'ailleurs le voir, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui doit apparaître normalement en haut de l'écran, à gauche ou à droite, je ne sais jamais. Donc revenons à notre manga, celui-ci a été publié très récemment en France chez Kiwoom. C'est un manga encore en cours au Japon et il y a en ce moment 3 tomes déjà parus. On retrouve Sanli, un jeune homme âgé de 18 ans qui est le seul survivant d'un véritable massacre. En effet, quand il avait 5 ans, sa famille a été entièrement assassinée. Aujourd'hui, il n'a qu'une seule envie, retrouver le meurtrier pour lui faire payer la mort de son frère jumeau. Alors oui, la mort de son père et de sa mère, ça ne lui a fait strictement rien, mais celle de son frère jumeau, Kazuto, ça l'a complètement anéanti. Et pour cause, il ne vivait pas forcément une enfance très heureuse, comme on pourrait dire, mais le seul point positif était le fait qu'il avait son frère jumeau, Kazuto, à ses côtés. Et forcément, tout ça est parti en cacahuète lorsque celui-ci a été tué. Par ailleurs, tout comme Iris, il y a une petite touche de surnaturel. Ce coup-ci, c'est le lien que partageait Sanli avec son frère jumeau Kazuto. En effet, il était tellement fort qu'il pouvait ressentir les émotions de son frère jumeau. Et lorsque celui-ci subissait une forte angoisse ou une forte douleur, Sanli pouvait voir à travers les yeux de son frère et ressentir cette fameuse douleur. Donc forcément, quand Kazuto a été enlevé puis assassiné, Sanli a tout simplement vu qui était le meurtrier. Du moins, pas totalement seulement, il a vu des cicatrices un petit peu spéciales sur le bras de celui-ci. Et depuis toutes ces années, il n'a pas pu s'empêcher de penser à cet homme et comment il allait pouvoir se venger. Jusque-là, j'espère que ça vous plaît, mais en tout cas, ça promet d'être particulièrement passionnant. Ensuite, parlons de la forme et commençons par la couverture. Celle-ci est juste magnifique et pleine de sens. En effet, on y voit les deux jumeaux, Kazuto et Sanli, en train de faire un Jankenpo, donc le fameux pierre-feuille-ciseau. Il y a donc un côté assez ironique avec le fait que Kazuto soit mort et Sanli soit vivant. En effet, on peut se dire que c'est une histoire de hasard et de destin. Mis à part ça, les couleurs sont absolument magnifiques. Donc, c'est une couverture assez bien trouvée pour un premier tome. Au niveau des graphismes, on retrouve bien la patte de Kei Sanbe. Les dessins sont assez sombres, notamment quand on revoit le passé de Sanli ou le côté un peu plus axé sur le meurtre, mais aussi tous les souvenirs des autres personnages. En parlant de personnages, ceux-ci sont très attachants, notamment par leur caractère et leur passé assez sombre. Je pense notamment à Enan, qui est aussi une jeune fille de 18 ans et qui a vécu un moment avec Sanli quand ils étaient tous les deux en foyer. Enfin, je dois dire que je ne suis pas du tout déçue pour le moment. J'attendais ce manga avec impatience et je l'ai dévoré dès sa sortie. Bon, j'avoue que j'ai hâte de lire la suite pour être fixée, mais en tout cas c'est très bien parti. On n'a qu'une seule envie, trouver qui est l'assassin et voir comment Sanli réagira quand il le verra. Essaiera-t-il de le tuer? Le laissera-t-il partir ou tout simplement le traînera-t-il en justice? Beaucoup de questions se posent. Et encore plus à la fin de ce premier tome. Donc hâte de lire la suite. Mais on peut noter que c'est un très bon démarrage. Alors qu'en avez-vous pensé? L'avez-vous déjà lu ou acheté? Si oui, quel est votre avis? Connaissiez-vous déjà ce mangaka? Sinon, est-ce que cette vidéo vous a donné envie d'en apprendre un peu plus? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous aimez cette nouvelle série, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, bye !